Wash bon Dieu. Je prends tout wash bon Dieu. Wash les hommes baladés. Attention piquant. Là vous allez mettre fouiller net, les fous à la vie. Oui. Machine à bas santé. Yeah. Mm-hmm. C'est pas bien machine problème. Without we explain, you have to explain what he do exactly. Okay. Well, this is Jorgensen's property. So we're tracing a wall that will surround the property, and these guys are just beginning this traced out. Hello. Why do we have to do that? Even before the house is finished, that's the foundation. His neighbors keep encroaching on his land and keep taking more and more. This neighbor dug his a great hole for his Jorgensen's corner. So that means that Jorgensen's already lost a part of his land, and he keeps coming over. So what we're doing is just building four corners of a wall, and then we'll fill in the rest as time goes by. So yes, sand and rocks. And why we're doing this? Because we have to pay for each truckload of rocks. So it seems a shame to waste the rocks that we're just uncovering in the land. So instead of doing that, we're recuperating all the rocks that we're digging up, taking them to the pile, and then we'll use them to form the wall. What does it look like from Jorgensen's house? Bon, nous allons, ça c'est pour Daniel, nous allons conserver les roches. Camion de roche, comme il a fait déjà pour la fondation de sa maison. L'autre, il a rentré deux camions, non? Oui. Et nous allons conserver ça qui est ici déjà. C'est-à-dire, on les appelle roche de Dieu. Roche de Dieu, c'est le don de Dieu. Parce que ils sont déjà ici. Sa maison. Pourquoi nous avons besoin d'une clôture? C'est parce que ses voisins continuent à le coincer. Ils viennent chez lui prendre et ils prennent sa terre. Et donc il va falloir mettre fin à ça avec une clôture, même avant la maison. Voilà, nous avons ici et là, il y a trois Congos.
belles petites fleurs comme ça. Et puis elle donne, par exemple, c'est les pommes mûres. Mais ça, c'est un pois Congo. Ils sont très très bons à manger. On fait une sauce avec. Mais regarde comme c'est beau. Et regarde comme la fleur est tellement, tellement belle. Les fleurs. Et donc, la plante pousse comme ça, comme 2 mètres. C'est très joli. Bon, évidemment, sa terre est capable de pousser des fois comme ça. That's called a Congo bean. And look at how pretty the flowers are. And inside, that was the bean. And it's very good to eat. And they grow quickly. And he's got all kinds of them here already. They grow quickly and they grow like 6 feet tall. And they're a pretty plant. And it's one of the most nutritious things they eat. So he'll have a field here of orange trees. You have to see this. It's orange trees, lemon trees, grenadine trees, pois Congo, patate. Bon, il va planter des orangiers, des citronniers là, parce que les arbres comme ça, qui n'ont pas les futiers, qui ne sont pas besoin, ils n'ont pas besoin de beaucoup de l'eau. Donc le sol ici est un peu sèche. Le sol est sec, donc il peut planter des orangiers, des citronniers. Et voilà que les pois Congo, évidemment, il aime beaucoup. Donc il faut avoir une petite imagination. Malade.